Est-ce que cette forêt-là, elle est hantée? J'espère que oui. Yeah. Pourquoi? Ça fait peur, non, si c'est hanté? Be careful, man! Yeah! J'ai dit que la forêt est hantée, il dit qu'il sait pas. C'est ma forêt, ça! J'ai peur de personne! C'est ma forêt, ça! Il y a un serpent. Vous avez entendu ça? Yo tout le monde, vous êtes bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh! Vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'ai quitté ma maison. Si c'est moi qui t'ai accouché là, sors. Oh! Et même si ma mère voulait pas que je quitte, j'ai quand même quitté. Et aujourd'hui alors, je vais dormir dans la forêt la plus hantée au Canada. C'est une forêt qui fait hyper peur. J'ai cru que c'était la police là. Regardez derrière moi. On voit presque rien là, il fait nuit en plus. Donc là, ça va être du lourd là. Donc là, regardez la vidéo jusqu'à la fin et on y va. Non mais la vérité, j'ai jamais eu autant peur. Genre là, je suis devant la forêt, là, à l'entrée, là, je vois presque rien. Et je sais pas qu'est-ce qui va se passer, là. Est-ce que ça va... Pourquoi j'ai la truc comme ça? Mais non, je suis un homme. On va y aller. On n'est pas une psse, là. On est un homme. Donc là, on y va. On y va. Donc la vie, je commence à avoir des frissons, là. Je sais pas pourquoi j'ai des frissons. Pourquoi il y a autant d'insectes qui viennent sur moi? C'est normal, ça? J'ai des frissons. Je vous jure que j'ai des frissons. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, on commence à s'éloigner de plus en plus de l'entrée, là. Je suis où, là? Là, je suis vraiment éloigné de l'entrée là. Je sais pas si vous pouvez voir à l'arrière. Regardez à l'arrière là. Vous voyez la petite lumière au fond là? Ça, c'est l'entrée. Et là, je suis au milieu de la forêt là actuellement. Donc là, il n'y a plus de retour là. Il n'y a plus de retour à la case départ. Là, on est à l'intérieur là. Oh mon Dieu, la vie à quelqu'un. La vie à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh my God. La vie à quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que je fais? On garde le calme et puis on est un homme là. On a peur de rien. Vous voyez, on va continuer à marcher. Qui nous fait peur? Oh putain, qu'est-ce que. Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, est-ce que cette forêt-là, elle est hantée? Hein? Cette forêt-là est hantée? Est-ce que cette forêt est hantée? Ouais, j'ai... Genre... Je sais même pas, c'est la first time que je suis assis, je vais même trouver un coin pour boire une bière dans la main tout seul. Oh, parce que je viens de France, puis on m'a dit que cette forêt-là était hantée. Bah, c'est pour ça que j'essaie d'aider. I hope so, man. Hein? I hope so. J'espère que oui. Yeah. Pourquoi? Ça fait peur, non, c'est hanté? Non? Ça fait pas peur? Non, c'est vraiment hanté d'entendre des histoires. Ouais. Je viens même pas du coin, man, me donne la main. It's scary, bro, non? Yeah. That's scary. Yeah, I just want to drink a beer, man. Damn, well, that's scary, bro. Alone in the wood, man. Yeah. Okay, alone in the wood. Yeah. Be careful, man. Yeah. Ah ouais, bon, il y a des fous dans ce monde, hein. Oh my God. J'ai dit que la forêt hantée, il dit que il sait pas. Il vient de faire quel bruit là? Il a dit que lui, il cherche seulement un endroit pour boire sa bière. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. En plus, il va au milieu de la forêt seul. Non, je me sens vraiment pas en sécurité ici. Frère, mais qui fait ça? On voit même plus le gars là. Et la vie, le bruit qu'il vient de faire là, ça m'a fait peur de fou. Je sais pas ce qu'il vient de faire comme bruit là, mais ça m'a fait peur de fou. Et quel homme normal va dans la forêt pour boire une bière? Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quel homme normal fait ça? À part si moi je suis pas normal, mais bon. Bon là, je suis à une nouvelle entrée là. Oh my God, il y a trop de branches qui me touchent là. Non, arrête. Oh my God, ça me colle. Vous voyez tout ça là? Regardez comment ça me touche. Toutes ces branches là, oh my God, il y a tout, trop d'arbres qui me touchent là, il y a des insectes et tout ça là. Et honnêtement, vous voyez le gars que j'ai vu tout à l'heure là, je commence à me demander si, vous voyez le cri qu'il a fait là, c'est pas son cri de transformation, comme Naruto. Démon, renard à neuf queues, Luffy dans One Piece. Gamou gamou non, vous voyez ou pas? Et lui son cri c'était, donc là ça veut dire que logiquement il s'est transformé en quelque chose dont j'ignore l'existence. Là, je commence à devenir parano, là. Quand il y a un petit truc qui me touche, là, je me demande c'est quoi. Et là, le gars, en quoi il s'est transformé? En quoi il s'est transformé? Je ne sais pas quoi, mais en quoi? Parce que ce gars-là, désolé, mais la vie qui n'était pas normale. La vie que je ne trouvais pas normale. C'est vrai qu'il y a un lac, là. Il y a un lac ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que je ne vais pas tomber dans l'eau parce qu'il fait hyper noir. J'arrive même pas à voir la route là. Genre, je sais que vraiment marcher en traversant genre la route, mais je sais pas où je vais au fait. Je fais que marcher pour marcher. Je sais pas où je vais en vrai. Ça sent le caca là. Caché ici là. Mais quand même là. Un peu d'humanité ici là. C'est bon là. Oh. Mais où est-ce que ça amène? Je fais que marcher pour marcher. Je sais même pas où je vais. Où est-ce que ça amène? Là je suis inquiet là. Je suis où là? Non, la vie, j'aime pas qu'il y ait des trucs qui touchent mon corps. J'aime pas qu'il y ait des trucs qui touchent mon corps. J'ai l'impression d'être observé actuellement, là.
Est-ce qu'il y a des trucs qui me regardent là? Non, s'il vous plaît. God, s'il te plaît, sois avec moi. God. Il y a des trucs chelous dans cette forêt là, je vais pas mentir. Mais je vais où au fait? Ça amène où au fait cette forêt là? J'ai l'impression de tourner en rond là. Et la vie, je pense que j'ai déjà passé par ici. Est-ce que je tourne en rond là? Bon, j'ai trouvé un bon spot dans la forêt là. Il y a une espèce de roche là, je sais pas si vous pouvez pas la voir actuellement, mais vous pouvez l'entendre, vous voyez. Je suis un gars hyper fort, un des plus forts au monde et j'arrive pas à pousser ça. Donc là, c'est déjà assez compréhensible que c'est une grosse roche. Je vais déposer mes affaires ici, je pourrai ensuite aller dans la forêt et découvrir d'autres choses là. Donc là, on est là en tant que guerrier là. The Big Juni, The Big Juni, on est là. Je vais me battre là. Je sais pas pourquoi je suis un peu parano là, on dirait. J'ai l'impression que je suis suivi là-haut, touché par des insectes parce que quelqu'un les envoie ou je sais pas quoi là, mais on est là là, on est là. Donc là, on va aller en profondeur dans la forêt, on va découvrir plus de choses qu'on a déjà découvert actuellement et ça va être ouf ça. Donc, on y va. Si t'es resté jusqu'à là, écris dans les commentaires Forêt Juni. On va l'appeler Forêt Juni. C'est ma forêt ça. J'ai peur de personne. C'est ma forêt ça. Il y avait un insecte, ça compte pas. Bon, avant d'aller dans la forêt, je vais vous montrer une technique pour pouvoir tuer tous les moustiques que vous trouvez autour de vous. Ça s'appelle The Big Juni Technique Moustique Tuyage, ok? Voilà comment on fait. Tu fais comme ça. Toutes ces moustiques vont mourir. Bon, là maintenant, on va dans la forêt, là, on y va. Et là, on est en train de pénétrer. On est en train de pénétrer dans la forêt, dans le fin fond de la forêt. Ça ne dit rien qui vaille, là. Ça devient de plus en plus gros. Les arbres sont de plus en plus gros et l'intérieur est de plus en plus noir. Donc là... Regardez ça, c'est encore plus noir là, je vois rien là. Hé, je vois rien là. What? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça comme moi? Vous avez entendu ça comme moi? C'était un homme ça, non? C'était un homme ça, non? Bon, on est un homme aussi, on n'est pas un homme, on est un guerrier, on est Juni. Juni n'a pas peur de rien. Quand même, Juni n'a peur de rien. On y va. J'ai entendu un homme là. Imagine, c'est le gars tout à l'heure là avec la bière là. Oh, j'ai cru que j'étais tombé. Oh, il y a une fosse ici là, putain. Il y a une fosse ici là. Je suis tombé par accident là. A few minutes later. Bon les gars, voilà la patate que j'ai amenée. Je l'ai pris chez ma mère. Elle n'a pas vu. Avant que je quitte la maison, je l'ai pris. Donc là, on va essayer de la chauffer. On va bien la manger là. Mais j'ai rien amené. J'ai pas de viande, j'ai rien d'autre. S'il y avait des animaux ici, on n'est pas dans un film, je rigole. On y va, on va essayer de la chauffer. On va clier un feu. On y va comme ça. Comment on fait? C'est ça, non? Et bien, c'est une pierre qu'il faut. C'est deux pierres. Mais qu'est-ce que je dis? Deux bois, c'est deux pierres, ok. Go! Ça marche pas, frère. Je me rappelle bien dans le film que j'avais vu, là, c'est deux pierres ensemble. On les frotte, puis il y a un feu qui va se créer. Comment je vais faire maintenant, frère? Et la vie, j'ai essayé de créer un feu pendant 2 minutes, ça marche pas. Je pense que j'ai pas la technique ou je sais pas comment ça se fait. J'ai frotté, je sais pas pendant combien de temps, 2 pierres, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je peux dire adieu à ma patate. Il y a des gens dans cette forêt là, mais qu'est-ce qu'ils font? On serait des incantations, j'entends. Écoutez. Oh purée, sang de Jésus, s'il te plaît. Jésus, t'es avec moi. Tu es avec moi. Vous avez entendu ça? Il y a un serpent. Oh la vie, il y a un serpent. Vous avez entendu ça? Oh, la vie est un serpent, maman. Non, qu'est-ce que je fais ici, frère? Des hommes, un serpent, quoi d'autre? Un monstre? Oh putain, je sors d'ici. Mes affaires, je les ai oubliées, frère. J'ai oublié mes affaires ici. Je les prenne, j'ai failli les oublier, frère, tellement j'ai peur. On y va. On fait vite ça, on fait sans dessus, là. Là, je suis sur le point de sortir de la forêt, et il y a 2 entrées différentes, ici, et ici. Mais par où je suis venu, frère? C'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5. On va passer par là. J'espère que c'est la chance va m'amener pendant à la sortie, hein, frère. Parce que là, je peux pas rester ici 1 minute de plus. Impossible. Ah, t'es dans ma pousse, frère, c'est bon. Je peux pas rester ici 1 minute de plus. La vie, je peux pas. Je peux pas dormir ici, frère. Ah non. Ça fait 5 minutes que je marche. Je suis toujours pas sorti de la forêt. Ça fait 5 minutes que je marche. Gars, vous avez pas quoi faire, je viens de voir. J'ai même pas eu le temps de filmer ça.
Je pouvais pas filmer ça, ça c'est impossible. La vie, je pouvais pas filmer ça. J'ai vu un drap. J'ai vu un drap et il était assez grand. Donc je sais pas qu'est-ce qui était en bas du drap. Il y avait un drap, les gars. La vie avait un drap. Cette forêt, je peux pas rester ici. Je dois trouver une sortie. Viens, sortie. Je m'en fous de la forêt, frère. Please. Je sais pas comment faire, les gars.